Jérémy, tu es dans quel état d'esprit avant ton premier chemin de France professionnel? Motivé, un peu. Au final, ça change pas des masses de l'année dernière. C'est un peu la même course. Hein. C'est sûr que là, je suis dans une équipe professionnelle, mais voilà, c'est la même distance, c'est un peu la même course, c'est la même approche. Donc voilà, toujours très motivé. Qu'est-ce que tu en attends? J'en attends de faire une belle course, comme l'année dernière, bien appliquée, bien propre. Après, pour le résultat, voilà, objectif, c'est un top 10. J'espère avoir de bonnes jambes demain et que ce soit possible, quoi. T'as pu te préparer? Ouais, j'ai pu pas trop mal le préparer. J'ai beaucoup couru sur la première partie de saison, mais là, à l'approche des championnats, l'équipe m'a laissé faire l'impasse sur 2 week-ends. Donc j'ai pu faire un petit peu de spécifique, donc ouais, j'ai pu bien le préparer. On sait que Roubaix joue à domicile, ça change quelque chose pour toi et pour l'équipe? Non, pas spécialement. Après, c'est vrai que ça rajoute un petit peu de motivation, un petit peu d'implication, mais après, voilà, faut rester professionnel, j'ai envie de dire. Enfin, que ce soit ici ou à l'autre bout de la France, ça reste un championnat de France, donc je suis toujours hyper motivé. C'est un parcours qui te plaît? Ouais, le parcours me plaît bien, c'est quand même différent de l'année dernière où il y avait quand même des très très grosses bosses, mais c'est un parcours assez vallonné. Je pense que le vent aura un effet aussi, on verra comment il sera demain, mais le vent, la chaleur, un petit peu comme l'année dernière. Mais ouais, le parcours me plaît bien, ouais.